ça va? J'espère que vous allez bien, que je suis contente de vous retrouver en vlog. J'avais besoin de reprendre un petit peu d'inspiration et c'est la raison pour laquelle depuis 2 semaines j'avais pas publié de vlog. La semaine dernière je vous ai publié une routine et j'espère que ça vous a plu. Je suis contente de tous les commentaires que vous m'avez envoyés et là du coup je reviens avec un vlog parce que j'ai des petits trucs à vous partager. J'ai regardé des séries, j'ai mis des livres, voilà, je me suis un petit peu imprégnée de tout un tas de trucs et donc du coup je peux partager ça avec vous, je peux avoir des trucs à vous dire sans me dire que je suis totalement inintéressante. Voilà. Alors c'est simple, je voulais partager un petit truc avec vous. Je m'installe convenablement. Alors je vous ai pas dit mais tout à l'heure en fait je dîne, je déjeune, je suis trop contente, je suis trop contente. Je déjeune avec Laura Mtsafou, si vous connaissez pas encore. Franchement, si vous regardez pas mes vlogs, c'est une auteure jeunesse. Enfin, je dis jeunesse parce que du coup, moi, je l'ai découverte par les albums jeunesse, mais elle est juste extraordinaire. Elle a un talent qui est complètement fou. Elle est en plus militante afroféministe. Bref, le gros kiff. Et on s'était promise depuis plus d'un an, je pense, de déjeuner ensemble. Et ça y est, là, cette fois-ci, c'est cette fois-ci, c'est aujourd'hui, c'est ce midi. Trop contente. Et donc voilà, donc je veux vraiment ne pas être en retard. Donc voilà, donc je regarde un petit peu ma montre. Mais je voulais aborder avec vous un sujet parce qu'en fait, là aujourd'hui c'est mon premier jour de règles donc je deal aujourd'hui avec une douleur constante au niveau de mon utérus. Mais oh, ça y est, c'est là, c'est les règles. Quand les règles elles arrivent, on est contente, entre guillemets, soulagée parce que la semaine de SPM, c'est-à-dire que la semaine qui précède les règles, le syndrome prémenstruel, moi souvent c'est moral en fait, ou plus de tous les trucs. Qui sont un peu chiants, mais beaucoup sur la déprime et beaucoup sur les. J'ai une sensibilité à fleur de peau, on va dire, pendant ma période de SPM. Et donc ça me touche d'autant plus plein de petits trucs, notamment Instagram. On revient tout le temps au même sujet, je pense. Mais c'était surtout pour vous dire que la déprime qu'on peut ressentir au contexte de réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on est dedans et qu'on participe en tant que créatrice de contenu qu'on n'est pas. On peut pas. Ne peut pas. Ne pas en être victime non plus, parce que souvent en fait, je parle avec, par exemple, mes sœurs ont quitté les réseaux sociaux et je parle avec elles et elles me disent souvent que bah, elles ont quitté les réseaux sociaux parce que c'était trop dur pour elles, la pression, la vie parfaite des gens, les meufs belles, la richesse affichée, tout va bien, etc. L'esthétique parfaite tout le temps et constante d'Instagram et qu'elles peuvent plus, etc. Machin. Et je comprends, et je comprends. Mais également, en fait, je me faisais la réflexion que, en fait, même si moi, à mon niveau, c'est-à-dire en étant dans les réseaux, j'en fais aussi beaucoup les frais, je souffre aussi beaucoup de ça, je suis victime de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que la semaine dernière, je me suis mise à penser à des trucs auxquels je n'avais jamais pensé avant. Parce que j'avais passé un temps anormalement long sur Instagram parce que j'étais en panne d'inspiration, parce que j'avais envie. Voilà, j'étais un petit peu en questionnement par rapport à mon contenu, etc. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et en fait, à force d'être exposée à un nombre d'heures complètement astronomique à Instagram, bah, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je devrais pas refaire mes sourcils au microblading pour qu'ils soient vraiment parfaits tout le temps? Est-ce que je devrais pas faire plus de peeling chimique? Est-ce que je devrais pas faire des injections d'acide hyaluronique pour avoir une bouche plus charnue, pour pouvoir être plus belle, donc attirer plus de personnes sur mon Instagram? Est-ce que je devrais pas faire des coiffures qui attirent plus les abonnements, etc. Est-ce que je devrais pas faire un plus gros régime pour être encore plus mince? Et en fait, c'est au contact d'Insta en fait, que je me suis mise à développer des sortes de complexes sur des parties de mon corps que je n'avais jamais. Sur lesquelles je n'avais jamais complexé, et je me suis rendu compte vraiment que c'était Insta qui faisait ça. Quand en fait, je me suis dit, mais quand je me suis vraiment interrogée sur est-ce que j'allais pas faire toutes ces chirurgies, sur ces actes esthétiques, en fait, c'est pas grave, et en soi, je trouve ça hyper cool. Je connais plein de gens qui l'ont fait et qui sont magnifiques avec ces actes esthétiques-là, mais je n'y avais jamais pensé avant de commencer à. Enfin, ça se fait jamais de manière ultra positive, en tout cas chez moi, c'était. Très sur voilà, sur le complexe et sur le je suis pas belle si je le fais pas en fait. Et surtout que grâce à mon agence, grâce aux avantages que je peux avoir en tant qu'influenceuse, je peux avoir tous ces trucs-là.
gratuitement, en fait. C'est-à-dire que on agence à des partenariats avec des cliniques, des choses comme ça, des cliniques esthétiques, etc. Et en fait, je peux avoir, en échange de stories et donc de vous en parler, avoir accès à des injections, des peelings, du microblading, des extensions de cils, j'y ai pensé aussi. Tout ce genre de trucs-là, gratos. Donc, c'est-à-dire que même la barrière potentiellement financière de me dire que ça coûte 350 balles, 450 balles, a priori, je ne l'aurais même pas. Mais je me suis dit, mais pourquoi en fait je veux faire ça? C'est-à-dire pour me conformer, pour espérer avoir beaucoup plus d'abonnés, pour être de nouveau dans cette course à l'abonné, pour essayer de courir vers un idéal esthétique dicté par Instagram, dicté par tout un tas de trucs, alors que c'est même pas ce que j'aime moi. Et que je le fais parce que je me questionne sur moi-même, parce que. Bref, vous voyez, et en fait, ce sont des questionnements qu'on peut toutes ressentir au contact d'Instagram et que moi, je ne suis pas immunisée. Peut-être qu'à mon niveau aussi, et du coup, je m'en excuse énormément, je vous complexe, j'en complexe certaines d'entre vous et je me dis, là, c'est atroce en fait, parce que du coup, c'est exactement l'inverse de ce que je veux participer à tout ça. Je fais au maximum pour vous montrer. Mon quotidien, ma réalité, ma normalité et le fait qu'on peut être très bien, complètement normal et que, et voilà, quand je me maquille, c'est pas tout le temps. Enfin, je peux faire des vlogs entiers sans maquillage, je vous montre avec, sans perruque, je vous montre toutes mes perruques, je vous montre quand je me rase énormément la tête ou quand je laisse pousser mes cheveux et que du coup, que je les coiffe pas, enfin voilà, je vous montre vraiment toutes les palettes, je me montre au réveil avec le visage gonflé, je vous montre quand je suis fatiguée, quand. Pour vous montrer qu'en fait, que c'est complètement la vie est complètement normale en fait. Et moi, c'est ce que j'essaie au maximum de transmettre pour que. Parce qu'il y a du beau dans la normalité, il y a du beau dans la simplicité, il y a du beau dans le minimalisme, il y a du beau dans tout ça. Et du coup, c'est une manière aussi de rentrer un peu en opposition avec ce qu'on nous présente constamment, qui est l'abondance, la surabondance, la saturation, le plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et voilà, et en fait, il y a des fois où bah, il faut que j'accepte, moi, d'être une influenceuse de niche qui n'intéresse pas tout le monde parce que je ne fais pas forcément rêver, etc. Et aussi que ces personnes qui font rêver me font rêver aussi et me font complexer, moi aussi, et je peux en être victime, moi aussi. Je me faisais la réflexion parce que, pour vous donner une petite idée, dans mon agence, toutes les semaines, ils nous envoient un reporting. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup heurté en fait, ce reporting-là, parce que du coup, c'est beaucoup sur les statistiques, etc. Alors qu'en tant qu'influenceur, on nous répète constamment que les chiffres, c'est pas important, que les followers, c'est pas important, etc. Sauf qu'en fait, c'est sur ça qu'on nous classe, c'est sur ça qu'on nous mesure. Et voilà, donc il y a aussi cette hypocrisie, etc. Bon, bref, et donc je reçois du coup des reportings où on me dit, où les gens à l'agence me disent, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses, voilà ce qui est intéressant à faire, voici avec qui tu devrais faire un. Des machins, faut que tu fasses plus de live, faut que tu fasses plus de ceci, plus de reels, plus de trucs, plus de machins, plus. Et il y a des fois où je me dis, ouais, ça m'encourage et tout. Il y a des fois en fait où c'est une charpe de plomb. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les semaines, tous les lundis, j'étais super déprimée. En plus, c'est mon jour de repos, alors super. Et en fait, à chaque fois, je me disais, enfin, c'est jamais assez bien en fait. Je fais jamais assez, je fais jamais assez, je fais jamais assez. Et en fait, du coup, dans les reportings de cette semaine, on m'a proposé de faire un partenariat avec une marque qui s'appelle Edmond Sneakers. Je ne sais pas si vous connaissez, apparemment, Lena Situation a fait un partenariat avec eux, etc. Donc, en fait, c'était un peu l'argument pour m'inciter à accepter ce partenariat, etc. Et en fait, ils proposent des marques, des sneakers de marques, mais de marques. Donc Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, etc. Donc des sneakers en fait de ça, c'est-à-dire des sneakers à 900 et plus 1000, 2000 euros, etc. Mais vous savez les trucs vilains là, c'est vilain, regardez c'est moche, moi j'aime pas, personnellement j'aime pas du tout. Et je me suis dit surtout que c'est pas moi, du coup je comprenais même pas pourquoi on me demande de faire un partenariat avec eux. Pour mettre en avant des produits que j'achèterai jamais moi-même, au-delà même de l'esthétique, c'est que, en fait, moi, je ne peux, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse mettre plus de 900 euros, 1000 euros, 2000 euros dans une paire de baskets. C'est mon avis. Je ne juge absolument pas les personnes qui le font parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pourrais mettre 900 euros dans un canapé. Je pourrais mettre 900 euros dans un canapé. Certaines peuvent mettre 900 euros dans des baskets. Et pourquoi pas, en fait, j'ai envie de dire vraiment pourquoi pas. Mais pas moi, en fait.
pas moi. Et moi, je ne me vois pas faire la promotion, l'apologie de ça. Je ne me vois pas dire, et voilà, c'est Z, regardez ma nouvelle paire de baskets à 900 boules. Non, en fait, parce que moi, je trouve pas ça normal, en fait. Je pense que c'est moi, en fait, voilà. Et du coup, ça me met à me dire, putain, c'est dur de résister. De résister en disant non, en fait. De résister et de rester sur ses principes, en fait. D'avoir des principes et s'y tenir, voilà. C'est pas facile tous les jours de me dire non, en fait. Moi, je peux pas montrer à ma communauté que c'est parfaitement normal, pourquoi pas, en fait, de s'acheter des Balenciaga vilaines, sorry, des Balenciaga à 1000 euros. J'achèterai jamais des chaussures à 1000 euros, aussi belles qu'elles puissent être, même des bottes ou quoi. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous me suivez, en fait, parce que c'est pas votre truc aussi, potentiellement. Mais du coup, j'attire pas. On en revient au même truc. Et du coup, ça me fait complexer de me dire que ben, dans ce cas-là, je devrais pouvoir aimer, je devrais maintenant, j'ai accès à ce type de produits de luxe et tout. Tout ça pour dire que, genre, les réseaux, c'est génial parce que bah, ça me permet de rencontrer des gens comme Laura, typiquement, que je vais rencontrer à midi. C'est extraordinaire. De pouvoir se découvrir, se mélanger, s'inspirer, pouvoir prendre des autres et pouvoir grandir. Et aussi, on est victime et ça peut nous déprimer, ça peut rentrer dans notre quotidien et finir par se faire complexer pour des trucs de la taille de mes lèvres. Alors, à 32 ans, j'ai jamais eu de problème avec ma bouche. Et là, tout d'un coup, la semaine dernière, je me dis peut-être qu'elles sont trop fines. Et de me dire, ah, mais j'ai des rides, est-ce que je peux pas m'injecter dans les paupières ou ce genre de trucs? Et ça, c'est Instagram qui fait ça parce que. Et c'est même pas un truc genre anti-Instagram ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste pour vous montrer que même quand on est dans le système, en fait, c'est dur, en fait, de résister parce qu'on a des personnes qui vous poussent pour vous dire, mais. Fais ça, plus d'abonnés, plus d'abonnés, plus de concours, plus de marques, plus de ceci, plus de cela. Et moi, de l'autre côté, je leur dis, mais non, mais c'est pas ça que je vends, c'est pas ça que je propose, c'est pas ça que je mets en avant, c'est pas ça que je veux proposer. Ouais, mais ce que tu proposes, ça rapporte pas forcément, ma chérie, en fait. Qu'est-ce que toi, tu mets en avant? Qu'est-ce que tu vends? Je ne vends rien. Je ne vends rien, je propose juste de l'inspiration, voilà, désolée. Mais voilà, mais j'aimerais bien du coup avoir votre avis sur ça, en commentaire, que vous me dites ce que vous en pensez, tout ça. Et si moi aussi, bah, j'ai participé à ça, est-ce qu'il y a des moments où je vous ai déprimé? Et j'en suis vraiment sincèrement désolée, vraiment du plus profond de mon cœur, ça a des années-lumière de ce que j'essaye de trucs. Et si aussi ça vous arrive, etc. Allez, je vais chercher Laura, je vais manger avec Laura. Alors, monsieur Rizet, du coup, je voulais vous parler. J'en profite, je suis dans la voiture. J'aime bien vous parler dans la voiture. Vous êtes habitués maintenant. Alors, j'ai regardé des séries. Récemment, j'ai regardé donc plusieurs séries. La première série dont je voulais vous parler, c'est une série que j'ai découverte. Vous savez, j'étais dans mon marathon de séries nulles là. Pour celles qui n'ont pas suivi, j'avais besoin de me vider la tête, donc j'avais décidé de regarder que des séries nulles, des navets, des trucs nuls qui me prenaient du coup aucun espace mental parce que j'étais assez déprimée de. La situation mondiale, je parle pas que de l'Ukraine, je parle en général. Et du coup, j'étais pas bien. Et je voulais donc regarder des séries un petit peu naze. Et du coup, j'avais sélectionné un certain nombre de séries, notamment des séries historiques, parce qu'en général, les séries en costume, un peu à la Bridgerton, pour que ça vous évoque des trucs, voilà. Donc, ce qu'on appelle des Regency Romance, c'est le meilleur moyen de se vider la tête. Et du coup, j'en avais sélectionné un certain nombre, mais en l'occurrence, j'avais sélectionné comme ça Berlin 56. Donc voilà, donc du coup, j'ai cherché en streaming, j'ai fini par trouver des liens et du coup, j'ai commencé à regarder. Et en fait, c'est absolument pas une série nulle. C'est une série qui est diffusée en France par Arte. Donc en fait, c'est une série allemande qui est diffusée à la ZDF, qui est donc en gros l'équivalent de TF1 ou France 2, Allemagne et en fait c'est une série qui est juste extraordinaire, qui est donc en 3 épisodes d'1h30, et mais nous en France comme on a des formats plus courts, c'est donc en 6 épisodes de 45 minutes.
que Arte nous les a diffusés. Et en fait, ce n'est plus du tout disponible chez Arte. Vous pouvez commander le DVD ou alors le trouver un petit peu de manière un petit peu en cacou comme ça sur des sites de streaming. Et j'ai tellement aimé, j'ai trop aimé. Alors Berlin 56, pour que vous puissiez savoir, c'est une maman et ses trois filles à Berlin en 1956, donc 11 ans après la fin de la guerre. Et donc en fait, ça raconte un petit peu le quotidien donc de ces trois filles. Mais alors elles ont autour de la vingtaine, hein, c'est pas des petites filles quoi. Et en fait, c'est hyper intelligent. Ça passe par le prisme de la cadette, donc celle du milieu, la fille du milieu, qui en gros n'est pas du tout dans les conventions et dans les. Elle veut pas du tout se conformer, c'est un petit peu la rebelle, mais elle est pas du tout à l'aise avec ça. Sa mère ne la supporte pas, etc. Et en fait, elle, son rêve dans la vie, c'est de faire du rock'n'roll, mais vraiment le rock'n'roll achromatique des années 50. Et donc, on est vraiment très loin en Allemagne à cette époque-là, c'était hyper. Cadré et donc c'est beaucoup de la valse, etc. Et donc leur maman gère une école de danse et donc voilà, donc, c'est pas sur la danse, hein. C'est vraiment beaucoup plus vaste que ça, c'est assez énorme, c'est un peu un récit initiatique, c'est trop trop bien, vraiment hyper intelligent, abordant toutes les facettes de la fin de la guerre et toutes les difficultés, et notamment l'un des trucs en fait que j'avais pas forcément en tête, c'est que on se dit souvent après 1945, en gros, les filles nous montrent genre on a tué tous les nazis et voilà. Mais en fait pas du tout, c'est pas du tout. Les gros généraux ont été jugés au tribunal, enfin au grand procès de Nuremberg. Après, on en a attrapé quelques-uns qui avaient fui grâce au système politique et grâce à l'Église catholique. Ils avaient réussi à fuir en Argentine et on a fini par les attraper dans les années 70 et 80. Mais globalement, la population, je vous parle vraiment de la population qui était donc baignée dans les idées nazies, etc. Et donc, les petits nazis, les petits gens qui avaient des idées nazies, eux, on n'a pas mis toute la population en prison, vous vous doutez bien. Donc en fait, mais à partir de 1945, on n'avait plus le droit de penser ça. Donc voilà, donc en fait, ça évoque aussi ça, les enfants de cette génération-là, qui du coup ont des parents qui ont grandi pendant cette guerre-là, des parents qui étaient parents, qui étaient déjà adultes pendant la Seconde Guerre mondiale et qui donc ont dû participer en fait à tout ça. Et c'est assez intelligent de voir en fait comment c'est traité en fait, comment on fait quand sa mère était nazie, voilà, et comment sa mère a profité en fait d'un système pour avoir des avantages, bénéficier des spoliations des juifs, etc. C'est hyper intéressant. Donc en fait moi tout naïvement je regarde Berlin 56, je regarde les 6 épisodes et je me dis putain mais c'est vraiment trop bien et tout. Et en fait je me rends compte qu'en fait la série a eu un énorme succès mondial et qu'ils en ont fait une saison 2 qui s'appelle donc Berlin 59. Et en fait du coup c'est eux mais 3 ans plus tard, donc en 1959. J'étais tellement contente. Imaginez regarder une série en vous disant juste que c'est une mini-série et qu'il n'y a pas de suite. Et en fait, qu'il y a une suite, quoi. C'est juste extraordinaire. Et donc, du coup, j'ai regardé Berlin 59, pareil, 6 épisodes. J'ai tout dévoré et tout. Donc, je finis et en fait, j'apprends, à la fin encore, qu'il y a Berlin 63. Et sauf que Berlin 63 est sorti en 2021 en Allemagne et qui n'a pas encore été traduit en français. Et donc, qui n'est pas encore disponible en France. Et là, c'était la déception de fou parce que je ne comprends pas l'allemand. J'ai fait allemand, mais je ne comprends rien à l'allemand. Et en fait, il est disponible sur les sites de streaming en allemand. Et même pas sous-titré français, rien du tout. Donc, je ne sais pas quand Arte va daigner nous montrer Berlin 63. Mais j'ai vraiment hâte, etc., de voir un petit peu tous les personnages dealer avec le mur de Berlin, etc. Bref, j'ai hyper hâte. Et en tout cas, voilà. Déjà, regardez la saison 1 et la saison 2. Si ça vous intéresse, c'est vraiment une super série, vraiment ultra intelligente. Et voilà. Autre chose que j'ai regardé, j'ai terminé hier, c'est The White Lotus, c'est sur Prime Video.
Okay, Amazon Prime. Si vous aviez l'abonnement OCS, moi je l'avais pris, donc du coup j'ai pu l'avoir. C'est la nouvelle série, enfin c'est une nouvelle, ça date de l'année dernière. HBO, et c'est trop bien. Et en fait, pareil, de toute façon c'est HBO, donc quand je vous ai dit ça, enfin voilà, intelligence là quoi. Et en fait, c'est une série qui parle de, en gros, on est dans un hôtel à Hawaï, et je crois que c'est 3 ou 4 familles qui arrivent dans cet hôtel, mais que des riches blancs d'ailleurs, ouais, que des riches blancs, ça a son importance, c'est pour ça que je vous dis ça, qui arrivent dans cet hôtel, et du coup on les suit, et en fait ça aborde notamment les enjeux de domination économique, les réflexes de racisme, etc. Mais c'est abordé d'une manière tellement subtile et tellement intelligente. J'aurais du mal même à vous expliquer, parce que c'est pas des films où il y a énormément de suspense, où il y a plein de choses qui se passent avec des cliffhangers du malade, etc. Pas du tout. Mais c'est beaucoup sur, ça joue beaucoup sur le malaise, beaucoup sur l'ambiance, les non-dits, on comprend les différents enjeux de domination qui se jouent, etc. Hyper intelligent, tout en suggestion, donc on n'est pas dans un truc où on prend le téléspectateur pour un gros zozo et qu'on se dit qu'il ne peut pas réfléchir et qu'on va tout lui servir sur un plateau. Non, là en l'occurrence, c'est vraiment très bien suggéré et amené, et donc du coup on réfléchit aussi dans la série. Bref, c'est hyper intelligent, ça a été plébiscité et félicité, donc je vous le recommande, et ouais, je pense que si vous aimez bien les séries HBO, c'est du même niveau. En termes de documentaire, alors c'est pas vraiment un documentaire, mais c'est The Tinder Swindler, là, l'arnaqueur de Tinder, sur Netflix. Bon, soit vous l'avez déjà vu, soit vous en avez entendu parler. Comme moi, comme d'habitude, les trucs dont on parle trop, je traîne un peu pour les regarder. Voilà. Mais du coup j'ai regardé, ça se regarde assez rapidement, ça dure 1h30, c'est en un seul volume, et c'est intéressant, c'est choquant dans le sens où on se dit waouh, enfin voilà, j'étais un peu choquée de comment les gens sur Twitter ont attaqué les jeunes femmes qui avaient été victimes en fait de cet arnaqueur de Tinder. Je trouve qu'on a une facilité à pouvoir, une facilité à se moquer ou à rejeter, à faire retomber la faute sur les femmes en l'occurrence, en disant mais elles sont vraiment trop connes, voilà. Et voilà, c'est hyper intéressant, et voilà, c'est un bon divertissement. Enfin, personnellement, moi je me suis pas dit wow, mais alors là c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus tomber ma chaise, je suis un peu choquée du fait que de l'impunité, parce que bon bah le gars, après tout ce qu'il a fait, il est pas non plus resté extrêmement longtemps en prison, il est sorti, il a eu des contrats de pub, il est à l'aise blaise à Dubaï, il y a plein de meufs qui lui écrivent apparemment, et le mec il est assailli de demandes, bon, donc je me dis bon ok, l'humanité, mais bon bref, et mais voilà, c'est bien regardé, c'est pas mal, ça fait une bonne soirée à discuter de ça, à regarder ça avec des potes ou en famille, enfin en famille pas avec les enfants, hein. Mais c'est voilà, c'est cool, c'est une bonne série.
sortir du parking. Du coup, je me concentre pour pas cogner la voiture des gens. Mais c'était trop bien. J'ai adoré faire ce déj avec Laura. On devait se faire ça depuis des mois, littéralement. Et ça a eu lieu. Et en fait, ce déj s'est transformé en café. Après, on est allé dans un café parce que dans le restaurant, ils nous regardaient en mode « Bon, vous pouvez sortir du restaurant parce que on aimerait fermer, en fait. » Ils ont même éteint les lumières et tout. Et mais voilà, c'était super. J'ai surexcitée. J'essaye de me canaliser. Mais c'était génial. Ça fait toujours du bien de rencontrer des gens gentils, intelligents, sympas, adorables, beaux, trop belles. Et voilà. Vous-même, vous savez, les trucs, les difficultés que j'ai à faire des rencontres, à rencontrer des gens sympas et adorables pour avoir des nouvelles copines, etc. On en parlait dans cette vidéo de par rapport à l'amitié et du coup c'est plaisant en fait de se dire que voilà, on rencontre des gens qui nous ressemblent et qui vivent les mêmes choses que nous et avec lesquels on se dit à passer la trentaine qu'on pourrait être amis avec. C'est cool, ça fait du bien, vraiment. Je vous encourage à sortir des zones, pas de confort, parce que j'aime pas trop cette expression, parce que moi je suis bien dans ma zone de confort, je suis confortable dans ma zone de confort. Mais voilà. C'était trop bien. Je redescends, et puis je vous reparle. Il y avait un podcast dont je voulais vous parler. À chaque fois, c'est pas la première fois que j'en parle, mais du coup, je préfère vous recommander des épisodes parce qu'en fait, vous connaissez déjà le podcast. Et comme il y en a beaucoup, c'est pas tout forcément qui est intéressant. Moi, je les écoute tous, mais au moins, je peux vous en recommander. Bref, j'ai déjà trop parlé. J'ai écouté deux podcasts qui m'ont vraiment plu cette semaine. Le premier, c'est la semaine dernière sur Affaires Sensibles, qui parlait en fait la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Et du coup, ils ont fait une semaine entière sur... François Drouel a fait sur Affaires Sensibles une semaine spéciale sur la guerre d'Algérie, en reprenant en fait tout l'histoire du début jusqu'à aujourd'hui, donc en passant par les accords d'Évian, la décennie noire, la torture, etc. Enfin, hyper, 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 hyper intéressant. Et voilà, donc du coup, c'est les 5 épisodes de la semaine dernière que je vous recommande allègrement. Enfin, il faut absolument que vous le regardiez. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. C'était hyper intéressant. J'avoue que moi, j'étais pas totalement au fait sur la décennie noire, etc. Et en fait, c'était hyper intéressant de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, moi, j'avais pas forcément en tête qu'après la guerre d'Algérie, donc la guerre avec la France, qu'il y a eu une guerre civile en fait en Algérie. Et voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Comme épisode qui pouvait en quelque sorte replacer le contexte et bien expliquer dans les détails ce qui s'était passé. Le deuxième podcast que j'ai beaucoup aimé, pareil, c'était celui de la semaine dernière sur LSD, donc la série documentaire, et cette fois-ci c'était sur les drogues, l'addiction et les drogues. J'ai trouvé ça hyper intéressant, avec un angle hyper intéressant, donc qui n'est pas l'angle de facilité habituelle qu'on retrouve partout, à savoir les drogues, c'est mal. Alors oui, les drogues, c'est mal, mais du coup, c'est pas abordé de cet angle-là, c'est plus par le biais du consommateur, pourquoi les gens se droguent.
qu'est-ce qui est derrière, comment arrêter, pourquoi, par quoi on le remplace, qu'est-ce que l'addiction, pourquoi il y a des addictions qui sont plus tolérées que d'autres, socialement parlant, etc. Tout le la question de la légalisation, etc. J'ai trouvé ça, comme d'habitude, hyper intelligent et très bien amené, etc. Donc, je vous le recommande. Voilà, donc c'est les 4 épisodes de la série documentaire, donc de la semaine dernière par rapport à la semaine où vous regardez normalement ce vlog. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux épisodes, ces deux semaines-là. Donc je vous le recommande une fois de plus. Voilà, voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de découvrir. Donc, qu'est-ce que là je fais là ? Je vais chercher Baby Cerise au centre aéré. J'ai pris mon temps sur Paris, donc Baby Cerise va tirer une tronche pas possible. Pour la simple et bonne raison qu'elle m'a fait promettre ce matin, m'a fait jurer, d'être parmi les premières mamans à aller la chercher au centre aéré. Je n'ai pas respecté ses volontés puisqu'il est 17h30. Le GPS me dit que j'arrive à 17h45 et les premières mamans, c'est donc 16h30. Au centre aéré, j'ai la possibilité en fait de venir la récupérer à partir de 16h30 jusqu'à 19h30. Donc, comme je veux, donc j'étais pas non plus ultra stressée, mais je sais que Baby Cerise va pas kiffer. C'est la vie. J'étais avec Laura et ça m'a fait un bien fou de sortir, de manger, de me poser à la terrasse d'un café. Trop cool. Trop bien. Voilà, c'est tout. Donc je vais la chercher. En plus, elle m'a demandé de lui prendre un goûter. J'ai pas pris de goûter. Bon, j'ai des mangues séchées là. Heureusement, elle aime bien les mangues séchées. Mais elle m'a commandé, elle m'a dit qu'elle voulait du jus de pomme. Avec, qu'est-ce qu'elle a dit là ? Je sais plus quel gâteau là, elle avait demandé. Je n'ai rien de tout ça, je n'ai rien pris. Et voilà, donc il est 17h45, le temps de rentrer à la maison, je vais me mettre à la préparation du repas. Je ne sais absolument pas ce que je vais préparer pour ce soir. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas faim. Ce qui est sûr de mon côté, c'est que moi, je n'ai pas faim. J'ai beaucoup trop mangé à midi, c'était trop bon. Une fois de plus, je vous recommande les yeux fermés Tiger Milk à Paris. Il y en a plusieurs dans Paris, donc... je vous recommande, c'est fusion franco-amérique latine et très très bon, vraiment, avec des bonnes portions, etc. Donc avec des très bons cocktails, il y a vraiment moyen de se faire plaisir pour, voilà, entre copines, entre sœurs, en amoureux. Voilà, donc je vais voir ce que je fais à manger à Busseries, de toute façon vous êtes là, vous verrez tout ça. Ah, je suis contente là de ce vlog, ça faisait un moment que j'avais plus, enfin ouais, pendant plus d'une semaine j'ai pas d'idée pour un vlog, je me sens toute vide créativement parlant. Ouais, j'ai traversé une semaine où j'étais un peu vide créativement parlant, donc là je suis contente. Je suis contente. Voilà, je suis contente, j'espère qu'en tout cas il continue de vous plaire. Allez, plus que 15 minutes avant de récupérer mon petit œuf. Tu veux des mangues, demain c'est le carnaval. Tu veux des mangues séchées? Oui. Oui. La mangue séchée. Ok. La maîtresse a envoyé un mail là. Vraiment, ta maîtresse. Elle a envoyé un mail disant qu'il faut des bonbons, des choses comme ça à ramener. Mais moi, j'en ai pas à la maison et on doit aller au centre. On doit aller au centre. Au supermarché là. Donc, direction supermarché. On cherche. Non, on prend pas ceux qui piquent, non. Pour la classe, on prend pas ceux qui piquent. Ceux-là, devant toi, là, Dragolo.
suis rendu compte que j'étais complètement tachée. Donc en fait, je sais pas à quel moment c'est arrivé. J'espère que... Enfin, j'avais mon manteau, donc en vrai, on s'en fout un peu. Mais je pourrais aller au supermarché avec Louis Cerise. J'avais pas mon manteau, donc en fait, certainement que tout le monde a vu dans mon jean que c'était la mer rouge. En soi, je m'en fous, mais ça me saoule. J'ai hyper mal au ventre, je commence à fatiguer d'avoir hyper mal, d'avoir mal au ventre depuis cette nuit. En plus de ça, le truc qui m'a fait ultra flipper, ma voisine est venue sonner à ma porte en me disant que ce matin elle allait au bureau à 6h du matin et qu'elle a trouvé une bouteille d'essence sous ma voiture. Une bouteille d'eau remplie d'essence au niveau du siège passager. Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'appelais pour Netflix. Voilà, qu'elle a trouvé une bouteille d'essence au niveau du siège passager, du siège conducteur en dessous du siège conducteur, et que en gros elle a eu peur pour moi et qu'elle a pris la bouteille, et que c'est en fait elle pensait que c'était de l'huile, et en fait quand elle a pris la bouteille elle s'est rendue compte que c'était de l'essence, elle l'a jetée à la poubelle, et que son mari qui est le gardien de l'immeuble lui a dit de venir me dire, et en gros elle me dit ça en mode quelqu'un vous en veut quoi, quelqu'un a mis ça sous votre voiture. Donc sur le moment j'ai eu hyper peur. Je venais tout juste de rentrer, lui c'est en train d'enlever ses chaussures, enfin bref. Ça m'a fait super peur, mais après j'ai réfléchi 2 minutes, le point d'éclair de la voiture, il est beaucoup plus haut qu'une bouteille d'essence sur le sol. Donc c'est-à-dire que c'est pas en allumant ma voiture que ma voiture aurait explosé, flambé. C'est vrai qu'on n'est pas dans un film, c'est dans ce cas-là, dans les stations-service, les voitures exploseraient tout le temps. Et que ça ressemble plus à comme si on avait voulu siphonner ma voiture. C'est-à-dire prendre l'essence, voilà. Et que peut-être qu'il a été surpris et qu'il a jeté le truc. Mais sauf que moi, en fait, j'ai un système sur les Fiat. Il y a un système de, justement pour éviter ça. Donc en fait, moi-même, si je tombe en panne sur l'autoroute, je ne peux pas prendre un bidon et verser de l'essence à l'intérieur. Si je n'ai pas un entonnoir spécial qu'on m'a donné, en fait, et qu'en fait, qui claque, c'est-à-dire qui perce, qui permet d'ouvrir, en fait, mon réservoir, ce qui fait qu'en fait on ne peut pas siphonner mon réservoir. Donc est-ce qu'on essaie de siphonner le réservoir de quelqu'un d'autre? Du coup il a lancé la bouteille, il a glissé au niveau de ma roue à moi, et que du coup voilà, j'essaie de me rassurer en me disant que c'est ça, mais voilà. Et pour faire court, en fait je suis un peu flippée et un peu paranoïaque en ce moment, parce que en gros je voulais pas du tout en parler, mais du coup je vais le faire hyper vite parce que j'ai hyper flippé pendant un super long temps. Mais en gros, il y a Cerisette qui est donc venue chez moi, sonner chez moi, je ne la connais pas, pour me donner un colis. Donc moi, je pensais que c'était un livreur. En fait, c'était une personne qui livrait pour elle. Et en fait, quand j'ai ouvert, c'était des cadeaux. Mais ça m'a vraiment fait flipper à mort, sans identité, rien, juste en mode... je suis une cerisette, etc. Et je donne pas mon adresse, je communique jamais sur mon adresse, je communique même pas sur mon nom, en fait. Donc ma vie privée est ultra privée, et en fait, je sais pas si c'est une personne qui m'a suivie, comment elle a su, à quel étage j'habite, quelle porte à mon palier, le numéro du code, du digicode de l'entrée de mon building, bon bref. Toujours est-il que depuis, du coup, je flippe à mort, parce que je me dis que peut-être c'est quelqu'un qui me suit, qui me regarde de loin, qui, bon bref. Ça m'a fait flipper. Peut-être, sans doute, que ça venait d'une bonne intention. En tout cas, ça m'a fait flipper à mort, parce que bah, c'est une intrusion hyper violente dans ma vie privée. Et voilà, bref, donc je voulais pas en parler, parce que je voulais pas que ça donne des idées à n'importe qui de se dire « Ah, je vais venir chez Cerise, etc. » Bon, bref, donc depuis ce moment-là, donc j'en ai parlé à mon agent, j'ai un peu alerté, parce que ça m'a vraiment fait peur ce soir-là, cette intrusion-là dans ma vie. Oula! Voilà, et j'ai laissé brûler l'huile. Je suis vraiment dépassée là. Ouais, ça m'a vraiment fait flipper cette intrusion dans la vie privée. Et en fait, du coup, là, je suis un petit peu paranoïaque. Je regarde un petit peu derrière moi, etc. Enfin. Voilà, je suis pas. J'ai pas 1 million d'abonnés pour me dire que potentiellement c'est quelque chose qui puisse m'arriver. Donc bon, bref. Et là, en fait, que la voisine me dit ça, je me dis, mais en fait, est-ce que c'est quelqu'un qui m'en veut? Est-ce que. Bref. Ça rend paranoïaque. Et surtout au vu de ce qui. Oui, mon chat?
Baby Cerise est fatiguée, moi-même je suis fatiguée. Donc du coup là, je vais lui faire des frites, elle va manger avec le reste de haricots verts et un petit peu de jambon, ça sera parfait. Et moi j'ai pas faim du tout, j'ai mal au ventre, allez vous coucher. Et voilà, et en plus Baby Cerise est revenue, elle a le nez qui coule, elle est hyper chaude. Enfin elle est chaude en fait, elle a le corps chaud, comme on dit, elle a pas de la fièvre mais elle a le corps chaud. Et donc je sens là le rhume, demain il y a carnaval, donc du coup je sais pas si vous avez entendu, mais en gros on a dû passer au supermarché parce que la maîtresse a envoyé un mail en disant qu'il fallait ramener demain pour le carnaval gâteaux, brioches, bonbons, voilà, mais ils nous ont envoyé ça le mercredi après-midi, super. Donc du coup j'ai dû sortir de là, sortir du centre aéré, aller au supermarché, donc on est rentré assez tard à la maison et elle est claquée, etc. Donc j'espère que cette nuit ça va pas être une nuit de maladie parce que... Ah, flemme. Et voilà, bref, là, les petits rebondissements entre les règles, la bouteille d'essence, Baby Cerise et son rhume. En plus, je dois raccourcir son déguisement, faut pas que j'oublie de faire ça d'ailleurs, pour demain, parce qu'il est un tout petit peu trop long, la tulle. En quoi se déguise Baby Cerise? Elle se déguise en Princesse Sophia. Princesse Sophia. Et... bref, elle est trop contente. Je vous mets... Voilà, parce que du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, vous verrez dimanche, c'est déjà passé. Donc là, je vous mets les images de Miss Cerise en Princesse Sophia. Moi, mais je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est un saut dans le futur à l'intérieur de ce vlog. Et voilà. Elle mange, je la lave, elle parle à son père, elle va se coucher. Moi, je vais prendre une douche quand elle a fini de se coucher. Je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Je fais le linge, je raccourcis. Attends, je plie le linge, je range le linge, je raccourcis sa robe et je vais me coucher. Yeah! Merci Madame la masseuse. Oh, merci beaucoup. Papa me manque. Mais je suis bien aussi avec maman et papa. Ils sont tout seuls. Parce que vous chamaillez. On se chamaillait. Jamais. Papa et maman, ils se moqueront jamais de toi. Parce qu'ils t'aiment très fort en fait. Mais pourquoi vous me punissez? Parce que tu fais des bêtises, quand je fais des bêtises, on est puni. Hein. C'est la vie, hein. Même papa et maman, quand ils font des bêtises, la vie les punit. Hein. C'est comment vous êtes puni? Quand vous êtes petit, comment vous étiez puni? Nona, elle m'enfermait dans ma chambre, elle criait sur moi, voilà. Et papy, lui, me tapait. T'as fait une grosse fessée? Exactement. T'as fait sur tes fesses? Oui. Bon, on fait plus ça maintenant.
Il y a des parents qui continuent de donner des fessées à leurs enfants, mais c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça ne résout rien de taper. Les enfants, ils comprennent pas. Et Granny? Granny, je sais pas, je crois que oui, elle a déjà frappé papa. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il a tapé. Comme ça? Ça se voit que toi, t'as jamais tapé, hein. C'est vrai. Papa et maman, quand t'étais dans mon ventre, on a pris la décision qu'on va jamais taper Chacha. Jamais taper mon chaton. C'est un chat. Oui, le chat de maman. Chacha. Jamais. Oui, c'est comme les arrêts de chat. Oui. Parce que papa et maman, on a considéré que c'était pas une bonne chose de taper. Pourquoi? Parce que quand on tape, ça ne résout rien. Les enfants, ils ont juste peur, ça leur fait mal. Et ils comprennent même pas. Donc nous, avec papa, on a décidé qu'on allait faire d'autres punitions, mais qu'on n'allait jamais te taper. Que pourquoi on tape? Par exemple, quand tu fais des très très grosses bêtises, qu'est-ce que maman a fait? Je sais pas. Comment je te punis? Tu cries fort, fort, fort. Ouais. Et tu punis le machin 10 minutes. Voilà. Bonnie, mademoiselle. Bonnie, le chaton de maman. Allez, allez, dans le lit, dans le lit. Je suis fatiguée. Oh là là, bref. Le maquillage et lecture dans le lit et dodo.